Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Algérie, Monsieur Cheikh Baba, Président du mouvement Solution by Spirituality, Monsieur le représentant du parrain, M. Aymerou Ndiaye, représentant M. Pape Demba Bitey, Madame Docteur Rose Wardini, Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les invités, chers étudiants, chers invités à avant rang et titre, je voudrais exprimer tout le plaisir que j'éprouve et l'honneur qui me vaut aujourd'hui de présider la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la Journée de l'étudiant. Je voudrais, au début de mon intervention, vous transmettre les chaleureuses salutations de Madame le recteur de l'Université Sine Saloum, l'Hadj Ibrahima Niass, qui nous accueille ce jour. Et permettez-moi, avant tout propos, de souhaiter la bienvenue au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à toutes celles et à tous ceux qui, malgré leurs multiples charges et responsabilités, ont accepté de prendre part à cette activité. Le thème d'aujourd'hui est portant l'enseignement supérieur, un levier puissant pour le développement, quelle place pour l'étudiant, et un thème important qui va faire le centre d'intérêt des discussions de ce jour et qui pourront à la fin produire des résultats qu'on pourra mettre au profit pour accompagner nos étudiants qui constituent, comme le dit le thème, un socle ou un levier du développement de notre pays. Vu que le temps nous est imparti et que peut-être j'aurai l'occasion de revenir pour intervenir, je voudrais juste m'arrêter là et remercier, mais aussi saluer particulièrement la présence parmi nous au cours de cette seconde édition de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République d'Algérie et sa délégation, mais aussi celle du maire de Djebel, des premiers, deuxième et troisième adjoints des maires de la commune de Sibassor et mes collaborateurs du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum, venus m'accompagner à ma qualité d'invité d'honneur. Nous voudrions aussi remercier particulièrement Cheikh Baba Diallo ainsi que toute l'équipe qu'elle dirige pour l'honneur qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Et sur ce, en vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert la deuxième édition de la Journée de l'étudiant.